Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui va vous donner l'occasion de découvrir l'agenda communal et les différentes activités, spectacles qui seront proposés par la ville de Vernier et les différentes associations qui la constituent. Pour pouvoir prendre connaissance ensemble de ces différentes informations, vous savez que nous les proposons en plusieurs langues. Il y a le français, mais il y a également l'arabe. Et Tikra est à mes côtés pour assurer cette présentation. Tikra, bonsoir. Bonsoir Bernard. Ahbati, masa el khair. Nulqi alaykoum tahiyat el masa. كما أمسيات كل أربعاء لنلقي بين حضراتكم النشرة الأسبوعية لنشاطات وفعاليات المنطقة للأسبوع القادم. دائما أكرر ترحيبي بكم وأتمنى أن نكون ذوي فائدة ومتعة لكم. أهلا وسهلا بكم. Et en français et en arabe s'ajoute le lingala. Et nous avons Germaine à nos côtés pour l'émission d'aujourd'hui. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard. Mbotena Bounoun à Canal 29. Nous allons ensemble commencer à prendre connaissance des informations, mais on en profite pour souligner, surtout si vous suivez régulièrement notre page Facebook, que vous avez pu constater que le fond de notre décor a quelque peu changé. La chose avait été promise, cela a pris un petit peu de temps, mais comme nous l'avions annoncé, la chose a été mise en place et donc nous avons maintenant un fond blanc, ce qui nous change du lambris que vous avez l'habitude de retrouver de semaine en semaine depuis quasiment 20 ans. Donc nous nous sommes dit, tiens, c'est peut-être le moment de changer, mais nous aurons l'occasion d'y revenir en fin d'émission. Tout de suite, commençons à prendre connaissance des différentes informations qui pourraient vous intéresser ou qui devraient attirer votre attention. La première de celles-ci concerne un plan de Vernier dont on parle dans le numéro de l'actualité Vernier, qui est disponible sur le site internet, mais que l'on peut également se procurer. Alors, avec le retour des beaux jours, si vous voulez bien avoir différentes occasions de sortir, de vous promener sur la commune, sachez qu'un nouveau plan de la commune vient d'être édité. Sur celui-ci, on retrouve bien évidemment tout le nom des rues, mais il y a également les tracés pour ceux qui connaissent la voie verte, pour ceux qui aiment l'endroit où se trouvent les espaces ludiques, les différentes infrastructures de notre commune. Ce plan est à disposition à la mairie, il est en ligne sur internet. On rappelle l'adresse où vous pourrez trouver ce document à télécharger. Vous faites l'adresse habituelle du site de Vernier, c'est-à-dire www.vernier.ch. On rajoute simplement la barre oblique et vous tapez en un mot plan de ville. Vous pouvez également l'obtenir par courrier postal sur simple demande. Et on signale également que si vous êtes amateur de balade en vélo, eh bien, il y a une carte des pistes cyclables, des itinéraires de promenade qui ont été mis à jour. Et ici aussi, cela fait l'occasion d'une autre publication qui est disponible dans les mêmes conditions auprès de la mairie, c'est-à-dire qu'on peut le télécharger en ligne, on peut l'obtenir par courrier postal ou on peut se rendre physiquement à la mairie et pouvoir y prendre une copie papier. Et en ce qui concerne les promenades en vélo et la carte des cheminements en vélo, là aussi, si vous allez sur internet, c'est toujours la même adresse au début, www.vernier.ch. Là, vous rajoutez barre oblique et en un mot, carte vélo. Voilà deux très beaux documents à télécharger avec le retour des beaux jours. Et ben, bravo. أحبتي بما إننا دخلنا على موسم الربيع وهذه فرصة مناسبة للجميع كي يقوموا بنشاطاتهم البرية ونزهاتهم وفعالياتهم الخارجية أعتقد أنه كلنا راح نهتم بهذا الخبر الذي سأقدمه لكم إذ إن هناك نشاط دائم ومحتدم في بلدية فيرنيه لكي تتيح لحضراتكم الفرصة المناسبة والمكان المناسب وضمن خارطة عمل كبيرة تقدمها لحضراتكم لكي تكتشفوا أو تعيدوا اكتشاف الأماكن التي مررتم بها مسبقا. هذا النشاط الذي وفر لكم خارطة لمعرفة الأماكن والمناسبات والفعاليات والشوارع التي يمكن أن تمرون بها، الحدائق والمساحات الخضراء. هذه الخارطة قامت على أدائها مجموعة من المنظمات، منها لافوا فيرت، لاسباس ليديك، وأيضا بلدية فيرنية. المهتمين واللي حابين أنه ما يضيعون وقتهم
البحث بدون جدوى يمكنهم أن يمروا على السيت انترنت الخاص ببلدية فيغنيه لكي يحصلوا على الخارطة المرجوة، وأيضا يمكنهم أن يبعثوا لطلبها بواسطة البريد. أما إذا أحببتم الاطلاع على السيت انترنت فيمكنكم استعمال www.vernier.ch/plan-de-ville. وهناك خبر آخر يخص المتجولين على الدراجات الهوائية، إذ وفرت لهم أيضا البلدية ونفس المنظمات التي ذكرتها خطة مناسبة لتدلهم على الطرقات، الأماكن التي يمكنهم التجول بها، المساحات الخضراء التي يمكنهم أن يمارسوا فيها فعالياتهم وهواياتهم بركوب الدراجات. يمكنهم أيضا استعمال السيت انترنت الخاص بهذه الخارطة والذي هو www.vernier.ch/carte-vélo. فإذا نتمنى لكم أن تقضوا أوقات ممتعة، أوقات نشطة رياضية ومرحة من خلال تعرفكم أو إعادة تعرفكم على المناطق الجميلة والمساحات الخضراء المتوفرة في مدينتنا. Bandekoto, le bela plan yasika ya commune abso ya Vernier, basali plan yasika ya bato makoloto ya bato a vélo, soki o lingi ko zoyango, okoy koke na mairie, o sengi ba opesa yango, okoupe ko telefone, ko senga yango par courrier, ba otinde la yo, pe okoki kokota na site internet, na pesa adresse, obeti www.vernier.ch. Betty plan des villes wana oko kuta yango oko zo yango problème isalité pe voilà bobo santé zali plan yasika na bato oyo balinga kotambola pote boyebi TV na biso ya Vernier échanger ko monene ko na makambe belé pe ba bisika bisika échanger yango basali plan yasika pote ba oyo balingi uniko ke kotambola ozoluka yasika ozo mona ngote bolingi ko mona eloko yasika za na ville Vernier oko mona yango na plan yasika bobo santé ba demande na pesi oko ke na mairie à Vernier au Singi Baropé Sayo, ou bien par courrier, ou bien au côté d'un site internet, au Betty, au Lukiango, au Kozoyango. Information musicale maintenant, et pour ceux qui aiment l'opéra, voilà donc peut-être une très belle occasion de sortie. Ce sera la salle des fêtes du Lignon, c'est à la fin de cette semaine. Nous serons le vendredi 22 avril, le spectacle est à 20h, mais il sera également possible d'en profiter le dimanche 24 avril, et cette fois-ci à 15h. La pièce qui est proposée, c'est Alcina, qui est un opéra en trois actes de Georg Friedrich Händel. Celui-ci sera présenté par le Théâtre Orchestre de Bienne Soller. La durée du spectacle est de l'ordre de 2h30 avec entracte, et on rappelle que la caisse et la buvette sont ouvertes une heure avant le spectacle. Voilà donc un rendez-vous pour vendredi et dimanche prochain à la salle des fêtes du Lignon. لمحبي الموسيقى والعروض الأوبرالية نقول إنه بانتظارهم عروض موسيقية ستقدم على سال دو فيت دو لينيون يوم السبت المصادف 22 من شهر أبريل الحالي عند الساعة 8:00 مساء، وأيضا هناك عرض آخر سيقدم يوم الأحد المصادف 24 من شهر أبريل الحالي ولكن عند الساعة 3:00 بعد الظهر عصرا. هذه الموسيقى الأوبرالية ستقدم عروضها الموسيقية للموسيقار الشهير أندل، والتي ستقوم بها الأوركسترا اللي صعب اسمها كلش وما راح أقدر أقوله. المهم هذه العروض الموسيقية ستقدم لكم خلال ساعتين ونص مدة العرض. أيضا ستكون هناك تتخلل مدة العرض فترة استراحة قصيرة لتعاود العروض الموسيقية عروضها لكم. هناك أيضا بوفيه يمكنكم شراء أو تناول ما تودون تناوله قبل العرض، يفتح لاستقبال حضراتكم مدة ساعة. فإذا نتمنى للجميع متابعة رائعة. Bandeko to le bela spectacle, spectacle ezali na commune de Saint-Vernier, opéra ezali na salle de fête ya Lignon, ezali mokolo ya vendredi 22 na ngonga ya 20h
Et mon collègue dimanche 24 à 15h. Voilà, Boya, Onyo, Soba, Sepelaka, Koutala, spectacle, Mousam Gongo. Voilà, durée Ezali à 2h30. Et caisse, na buvette Ezali, na souka théâtre. Voilà, Bobo Santé, opéra, spectacle, Balinga Kayango, na salle de fête, ya l'Union Boya Ebele. Mon collègue vendredi 22, dimanche 24, Nangonga à 15h. Pour les repas 5 francs, connaissez-vous déjà le menu qui sera proposé la semaine prochaine pour le mercredi 27? Si ça n'est pas le cas, eh bien, grâce à Canal 29, cette lacune sera comblée d'ici à quelques secondes. Le menu qui vous sera proposé sera une soupe ou salade en entrée, suivie d'endives au jambon, accompagnée de pommes de terre vapeur et d'un dessert. On vous rappelle que pour ces repas, il est préférable de s'inscrire, que pour faire cette inscription, il y a un numéro de téléphone qui est à la disposition, c'est le 076 630 33 71. On le redonne, 076 630 33 71. Il y a également une adresse de courrier électronique qui peut être utilisée, dont le libellé est le suivant: repas à 5 francs@gmail.com. et dans repas à 5 francs, vous mettez le 5 en chiffres et non pas en lettres. Quant à la limite pour les inscriptions, celle-ci a été fixée au mardi qui précède le repas et avant midi. Le lieu où les repas sont servis, c'est le centre de quartier des Avanchais. Les repas sont servis à midi. Et si vous voulez déjà, je dirais, vagabonder pour avoir plus d'informations sur l'association ou encore peut-être prendre connaissance des menus qui vous seront proposés au-delà de la date du 27 avril, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet dont l'adresse est repasa5francs.simplesite.com. Et là aussi, dans repas à 5 francs, c'est comme l'adresse de courrier électronique, vous mettez le 5 en chiffres et non pas en lettres. ومن أخبار الموسيقى إلى أخبار الطعام، خصوصا هذا الخبر لمحبي ومخلصي لطاولة غبا سان فرانك التي تستقبلهم ظهيرة كل أربعاء في سنتر دو كارتيا دي زافونشي، لتقدم لهم على مائدتها أطباقها الشهية. فأنا أدعوكم بدوري أيضا لكي تكونوا على هذه الطاولة في يوم الأربعاء القادم، ظهيرة يوم الأربعاء القادم المصادف 27 من شهر أبريل الحالي. سنقدم لحضراتكم المنيو، ربما يحمسكم الأمر لكي تشاركوا أصدقائكم وعائلتكم وجيرانكم في تناول أطباق غبا سان فرانك. القائمة الأطعمة المقترحة تبدأ بأما سلطة أو شوربة حسب اختياركم، ثم يأتي الطبق الرئيس الذي هو أنديف دو جامبون، وأيضا معه البطاطا المسلوقة، وبالنهاية ستنهي غبا سان فرانك مائدتها بصحن من الحلويات المعد منزليا. كامل الوجبة تقدم لحضراتكم بخمس فرنكات فقط، يضاف لها إذا أحببتم شراء المشروبات سواء كانت مشروبات روحية أو مشروبات غازية. فإذا المبلغ حقيقة مبلغ متواضع أزاء قائمة أطعمة زاخرة مثل هذا النوع. إذا أحببتم أن تقضوا وقتا مع عوائلكم على طاولة غبا سان فرانك، يمكنكم أن تستعملوا واحدة من وسيلتين لحجز مقاعدكم الذي سيستمر الحجز فيها حتى يوم الثلاثاء القادم. يمكنكم استعمال رقم الهاتف الذي هو 076-630-3371. أكرر الرقم 076-630-3371. أو يمكنكم أيضا الحجز عبر الإيميل الذي هو gopasanfranc@gmail.com. أما إذا أحببتم أن تطلعوا أكثر على نشاطات غبا سان فرانك، يمكنكم استعمال السيت انترنت الخاص بها والذي هو gopasanfranc.simplesite.com. فإذا لا تفوتوا فرصة أن تلتقوا مع أصحابكم على طاولة غبا سان فرانك، شهية طيبة من الآن. Bandeko to le bel kamboya repa boye bi association ya repa 5 francs abongse sika pona kulia bobo santé mon kolo ya mercredi au ezoya 27 avril toujours kulia ba se vakana midi na 12h na centre du quartier ya avanché
Voilà, qui ont réservé place na yo, kobo santé pote aux ana place na ya kunya. Mercredi zoya ba bungisi soupe zali, salade zali, dessert pezali. Endive na jambon au ba bien endive ba bien go eza légumes moko boye ba ko ba sala na jambon pe na pomme de terre yango ba ezali moko la mercredi voilà pour na 5 francs ya pamba na katia centre du quartier ya avanché pe okoyo ko benga na téléphone pour la réserver place na yo au beti au bengi numéro 076 630 33 71 à bandeli 076 630 33 71 et au coquille coco t'as un site internet nabango beti repas 5 francs chiffres hein c'est pas 5 francs @gmail.com on est là pour la réserver place na yo et au coquille co côté sur un site nous sous oya bango kaka ya repas 5 francs pour na koye ba ba menu o ezo ya ba mercredi nous sous pe koye ba makam nous sous na pour na association na au ko ça voilà repas 5 francs repas 5 francs venu misangai repas 5 francs point simplicité point com voilà on est là pour la coco dans la kati koye ba makamikem ke obo santé mokola mercredi 27 avril na 12h na centre du quartier avanché. Le service de la cohésion sociale de notre commune va proposer aux seniors de Vernier une très belle rencontre-conférence Café Mignardise en plus. Et c'est la semaine prochaine, ce sera la date du jeudi 28 avril. Le lieu, c'est la ferme du Lignon et la conférence commencera à 15h. Cette conférence est gratuite, elle s'adresse aux seniors de la ville de Vernier dès 50 ans. Et ce sera donc pour vous l'occasion de rencontrer Virginie Brahouan de l'émission Passe-moi les jumelles. Alors si cette rencontre et présentation vous intéressent, sachez que pour l'événement, les inscriptions sont obligatoires. Vous pouvez le faire par téléphone auprès du service de la cohésion sociale dont le numéro est le 022. 306 06 70, on le redonne, 022 306 06 70, ou encore en utilisant l'adresse email générique du service, à savoir senior au pluriel, @vernier.ch. La limite des inscriptions est fixée au 21 avril, ce qui veut dire que si vous regardez l'émission aujourd'hui ou encore en différé demain, eh bien ce sera la limite pour vous inscrire. Et quant à la conférence elle-même, je vous en rappelle la date, jeudi 28 avril, à la ferme du Lignon. فرصة أخرى توفرها لكم المنطقة من خلال دعوتها لكم للاشتراك في اللقاء الذي تعده لحضراتكم للالتقاء بأصدقائكم القدامى وربما التعرف على أصدقاء جدد من خلال المناسبة التي أعدتها لكم هي مناسبة كافيه ميناردز وهذه المناسبة للسينيور من عمر 50 سنة فما فوق ربما سيكون من الممتع لحضراتكم أن تشاركوا في هذه المناسبة التي ستبدأ يوم 27 من شهر أفريل الحالي عند الساعة 3 بعد الظهر وأيضا ستكون هناك مناسبة داخل هذه المناسبة إذ يمكنكم عند الحضور أن تلتقوا بفيرجيني بيرواند سجوست ايه برافو موا تلتقوا بها والتي هي من برنامج باسي موا لي جمال. طيب اللي يحب انه يشارك في هذه المناسبه ماذا يفعل؟ يمكنه ان يتصل على رقم الهاتف لانه التسجيل ضروري كي يضمن مكانه في هذه الفعاليه. عليه أن يختار واحدة من وسيلتين، أما أن يتصل على رقم الهاتف 022-306-0670 أكرر الرقم، ربما تحتاجون أنه أعيده كي نضمن أنه عندكم الرقم حتى تقدرون تتصلون به 022-306-0670 أو يمكنه استعمال الإيميل اللي هو senior@vernier.com وسأش. لا تفوتوا فرصة أن تلتقوا مع أصدقاء جدد وصديقات جديدات يوم 27 من شهر أفريل الحالي عند الساعة 3 بعد الظهر. Bandeko to lobela raconte café babinga raconte café
ko banda age ya 50 ans tilikolo sokoye bi okumna ba age wana okoyiko kendeza ofele pona moto nyonso voilà ezali na mokolo ya jeudi 28 avril na ferme du l'union na ngonga 15h voilà boya ebele o nyonso ko fanda yo moko te ozaka yo moko ou bien pas mais abaninga na yo okende sika wana na ferme ya l'union na ngonga 15h mokolo ya jeudi 28 avril. Voilà, Ezali raconte café pour la motonion son. Puis Ezali occasion, il y a Koku Tanana, Madame Virginie Brandt-Ward. Il y a passe-moi les jumelles, pardon, la TSR, Boya Ebele, Walin Komunae, puis Ezali conférence Moko, voilà, beaucoup solo là, Makambo Etali. Ba ninga au ba comme na âge ya 50 ans et puis c'est mon téléphone sur le numéro de renseignement ou bien na 0 numéro 022 306 06 70 na bandele 022 306 06 70 yango ezali na cohésion sociale bobo santé mon collège jeudi 28 avril na ngonga ya 15h. Et puis, vous le savez, de semaine en semaine, dans notre agenda communal, nous essayons de mettre des informations en avant, mais ça n'est pas pour autant que celles-ci sont l'entier reflet de tout ce qui va se dérouler sur notre commune. Alors, en fin d'émission, eh bien, nous allons commencer à prendre l'habitude d'avoir quelques éléments que l'on rappelle en bref, notamment le fait que ce samedi 23 avril, il y aura la 5e édition du concert traditionnel et gratuit de Corps des Alpes au Lignon, c'est à 16h30. Que le samedi 30 avril, la semaine suivante, il y aura le thé dansant pour les seniors à 14h au centre de quartier des Avanchais. Ne pas également oublier que le 30 avril, eh bien, il y aura le marché de printemps de la ville de Vernier qui lui se tient de 9h à 15h et c'est au site, au serre pardon, de la ville de Vernier, à la Via Monet. Et puis là aussi, si vous avez l'habitude de venir faire vos achats pour fleurir vos jardins ou vos balcons, pensez à ne pas venir trop tard, sans ça le choix sera relativement restreint. Et puis l'exposition à la Macave actuellement qui va jusqu'à la date du 30 avril et qui s'intitule le Copsil, ce sont des bijoux et sacs qui sont présentés par Sylvie Bavo. Voilà donc quelques infos en bref. Bravo. OK. حبتي لم يتبقى لدينا سوى ان نذكركم كي لا تنسوا ان هناك كثير من النشاطات تنتظر ان تقوموا بها. إليكم هذا التذكير. في يوم 23 يوم السبت القادم سيكون لكم موعد مع محبي موسيقى القلب. إذا أحببتم أن تستمعوا إلى موسيقى القلب التقليدية يمكنكم أن تشاركوا في هذه الفعالية يوم 23 من شهر أبريل. لا تنسوا هناك مناسبة الشاي الراقص للسينيور والتي ستكون تقام في سنتر دو كارتيه دي زافونشي في يوم 30 من شهر أبريل الحالي من الساعة 2 بعد الظهر. أيضا لا تفوتوا فرصة أن تلتقوا بأصدقائكم وصديقاتكم لتمارسوا الكثير من النشاط والفرح. هناك تذكير آخر نذكركم به وهو السوق الربيعي المارشي دو برونتون الذي يبدأ يوم السبت من الساعة يوم السبت راح يصادف يوم 30 أبريل يبدأ من الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 3 بعد الظهر. إذا أحببتم أن تتبضعوا الخضار الجاهزة الفواكه الجاهزة والأزهار التي يمكن أن تزين لكم شبابيككم والشرفات يمكنكم الذهاب إلى هذه السوق. ماذا تبقى لدينا؟ تبقى لدينا أن نستعرض لحضراتكم إنه المكاف ما يزال يستمر بعروضه للمعرض المجوهرات والمشغولات اليدوية والحقائب اليدوية. هذا المعرض مستمر حتى يوم 30 من أبريل الحالي. طبعا هذه المعروضات والمشغولات تقدمها لكم السيدة الفنانة سيلفي بوفاغ. Mandeko toni to pesa mino mo rappel to comme na suka to pe mino rappel ya banonso to pesaki quelques uns ya mingite mo kekaka bobo santé concert traditionnel isa ofele pour la motonyo son mokola samedi 23 avril nangonga ya 16h30 voilà vous avez belé bon to mingara concert isali concert à Corps des Alpes et puis thé dansante le mokola samedi 30 avril nangonga ya 14h dans centre de quartier ya Avanchais.
marché à printemps, voilà, tout comme moi, il y a un salle marché, et à printemps, dans la ville de Nelson Vernier, le samedi 30 avril, dans 9h15, dans la communauté, voilà, et exposition dans la maison à ma cave, dans la Vernier toujours, et aussi là, le 30 avril, vous voyez, les l'exposition, il y a des bijoux, dans le sac, et mon tabou, ici en haut, les alliés, comme on a dit, Sylvie. Et sans faire de jeu de mots ni de publicité, Vernier, c'est comme la Samaritaine, il se passe toujours quelque chose. Et dans toutes les informations que l'on vient de vous donner, soit en détail, soit en bref, il y en a encore qui se sont rajoutées. On en a en tout cas retenu une. Si vous êtes amateur de gymnastique, ce samedi et que vous ne savez pas quoi faire, déjà je me demande comment vous arrivez à ne pas savoir quoi faire, il y a de la gymnastique. Nous serons donc le 23 avril, toujours au centre sportif du Bois des Frères. Et ce sera quand même très impressionnant au niveau pratique gymnique, puisqu'il s'agit de trampoline, donc je veux dire ça le fait comme on dit, et ce sera le concours de printemps. Donc voilà un rendez-vous pour ceux qui préfèrent le sport plutôt qu'aux activités musicales ou autres. Toute l'équipe, eh bien, espère que vous avez apprécié cet agenda communal. Vous en rappelle le principe, si vous êtes à l'origine de l'organisation d'une manifestation, d'un événement, pensez à informer Canal 29. Vous nous envoyez vos informations simplement par email, canal29@bluein.ch, avec un peu d'avance, de façon à ce que nous ayons le temps de traiter l'information, de la transmettre à nos collègues, et que ceux-ci aient le temps de la traduire pour pouvoir vous la présenter le mercredi à 20h. Travail pour vous, là, hein, quand même, franchement. Hein. Merci, d'accord. أحبتي شرفنا إذن على انتهاء ما لدينا من أخبار ونشاطات لأجندة الأسبوع القادم. ليس لديكم عذر للبقاء داخل المنزل، يمكنكم أن تشاركوا في كل النشاطات إلى أحبكم، فهي تنتظر حضوركم، ونحن أيضا ننتظر حضوركم، ولكن متى؟ في الأسبوع القادم يوم الأربعاء عند الساعة 8 مساء، لكي تلتقونا على شاشة كانال 29. أما لمن فاته فرصة أن يرانا مباشرة، يمكنه أن يتابعنا على صفحتنا في الفيسبوك. لا تنسوا ضعوا الأوكي، ضعوا الكمسة كمسة لي دو. لا تنسوا أن تشاركونا بمقترحاتكم، بزياراتكم، بملاحظاتكم. سنكون سعداء جدا أن نلتقيكم على صفحتنا، صفحة الفيسبوك، ويمكنكم أيضا أن تتابعونا في اليوتيوب. كل الأماكن ستجدوننا. إلى اللقاء، كونوا بخير حتى نلتقيكم يوم الأربعاء القادم. Bandeko tokom na ngonga ya suka, voilà, bo sanate, sokoza na likambu manifestation, to bengi ko sanga na bato, olingi bato baye bayango, to pandela bino sango yango, bokoyi ko komela biso, to ko benga biso, na pisadres canal 29@bluein.ch. Okomi, kuna, to ko pesa yango sango mercredi, mais fo okomela biso avant, et apon la moto nyonson, voilà, ko kote na Facebook, na YouTube, kuna na kati oko zoabiso bobo sanate, voilà, petit kamalamo toko mbasi. Cette émission arrive à son terme, mais vous avez pu découvrir lorsque nous avons pris l'antenne que le décor avait changé. Nous vous l'avions dit, c'est une chose que l'on avait promis depuis quelques semaines. Mais comme on ne voit pas toujours les gens de l'ombre qui ont mis en place, eh bien, cet équipement, c'est l'occasion de découvrir à l'antenne Pietro. Logiquement, on le voit plutôt avec un tournevis, un marteau. Et si vous avez ce décor qui est en place pour l'émission d'aujourd'hui, c'est grâce à son œuvre, son travail, son temps et celui de son fils qui, lui, pour l'instant, est devant la régie vidéo et devant la régie son. Donc, il ne peut pas tout de suite venir sur le plateau. Mais avant que le générique ne parte, on arrivera à glisser une caméra par là. On vous rappelle le principe pour l'émission du mercredi. Vous la voyez en direct sur le réseau câblé des Avanchais. Vous pouvez également en profiter en direct sur Internet via la plateforme LiveStream. Sans ça, sur le reste du réseau câblé, que ce soit en commune ou en ville de Genève, c'est le jeudi à partir de 14h. Et puis, comme mes collègues vous l'ont annoncé, là, c'est le moment où il doit prendre feu dans la régie parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne derrière. Donc, ah oui. C'est une image. Allez, c'est une image unique. Il va falloir en profiter. Là,
si c'est pas feu, s'il y a le téléphone qui sonne, je ne sais pas ce qui va arriver, mais profitez-en. Mais like, like. Il y aura une photo de famille. Et en plus, c'est la première fois que vous avez découvert ce décor. Et puis, on vous rappelle, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder l'émission, soit le mercredi, soit sur d'autres moments de rediffusion sur les réseaux câblés, vous pouvez avoir nos images qui sont disponibles soit via YouTube, soit encore via Vimeo ou VEOH. Et depuis quelques semaines, on vous le rappelle, quand vous regardez nos produits sur YouTube, n'hésitez pas, vous cliquez sur les deux petites mains, en haut, en bas. C'est bien, ça c'est bien comme égal. Ça. Le plus important pour nous, c'est votre retour, de savoir ce que vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Et si en plus, vous voulez laisser un petit commentaire en dessous, il n'y a aucun problème. Toute l'équipe se joint à moi donc pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Vous espère au rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Maintenant, vous allez nous laisser quelques secondes le temps d'appuyer sur le DVD et que celui-ci, à son habitude, prenne le temps de bien vouloir nous envoyer des images.